Access, les formulaires. Section sur les boutons. Nous allons à présent créer un bouton de suppression d'enregistrement. C'est-à-dire que on va cliquer sur ce bouton et on supprimera l'enregistrement en cours. Donc, vous allez reprendre votre base de données que l'on utilise depuis un certain nombre de vidéos. Sur cette base de données, on va rajouter un bouton de suppression. Si jamais vous ne l'avez pas, eh bien, téléchargez la base de données qui est en description, elle vous permettra directement d'ajouter un bouton de suppression, puisque c'est la base de données que j'utilise maintenant. Vous pourrez bien sûr la rajouter dans le dossier qui contient la base de données X02 et la remplacer, bien sûr, pour pouvoir retrouver vos images. Sinon, vos images, vous ne les aurez pas. Alors, passons en mode création, affichage mode création. Et comme on l'a déjà fait un certain nombre de fois, on va rajouter un bouton. On clique sur les X. Ce bouton, il est opération sur enregistrement. Et là, on a supprimé un enregistrement. Suivant, je vais garder la petite corbeille habituelle, hein, donc la suppression d'enregistrement qui est ici. On aurait pu mettre une corbeille si on avait préféré, hein, mais bon, je vais garder l'enregistrement, enfin, l'image par défaut. Et puis, je vais faire suivant et je vais nommer simplement donc mon bouton BTN supre-enreg. Je ne l'ai pas bien effacé. BTN supre-enreg. Terminé. Mon bouton est fait. Il ne me reste plus qu'à le mettre en forme. Donc, je récupère une mise en forme. Format, copier la mise en forme. Coller la mise en forme et il me reste avec la touche contrôle à sélectionner ces deux boutons-là et aller dans Organiser, Aligner, Haut. Les boutons sont espacés quasiment de la même façon. Je vais quand même faire un contrôle pour sélectionner le troisième et pour qu'ils se répartissent équitablement, eh bien, on va aller dans Organiser, Taille espace. Et on va faire un horizontal équilibré. Voilà, nos trois boutons sont à égale distance. Alors, ce n'est pas tout à fait à égale distance avec les quatre premiers, mais bon, on pourrait passer un peu plus de temps sur la mise en forme, mais ce n'est pas l'objet de cet exercice. Alors, maintenant que c'est fait, on va enregistrer notre formulaire. On va basculer en mode affichage. On va vérifier que ça marche. Donc, je vais peut-être pas enregistrer, l'effacer le perforateur A, puisque celui-ci est peut-être déjà acheté dans une commande. Et donc, bien entendu, si le perforateur A se trouve dans une commande, on n'aura pas la possibilité d'effacer directement cet enregistrement, puisque le mécanisme d'intégrité référentielle va s'assurer, avant de supprimer cet enregistrement, qu'il n'est pas utilisé ailleurs. Donc, on a, dans la vidéo précédente, ajouté. Donc, je n'aurais même pu passer par ici. Hein. On va aller sur le dernier enregistrement en cliquant sur ce bouton-là. C'est la sauterelle de chargement que l'on vient de créer. Et bien, cet enregistrement-là, finalement, pour une raison X ou Y, il n'est pas conforme. Et je vais le retirer de la vente. Donc, je vais le supprimer de ma table matérielle. Pour faire cela, je vais cliquer sur mon bouton. Il me dit, attention, vous allez supprimer un enregistrement. Je dis oui. Et normalement, si je reviens sur le premier, je retourne sur le dernier, je n'ai plus de sauterelle. Le dernier, c'est comme tout à l'heure, le nettoyeur haute pression. Et donc, si je ferme mon formulaire, je vais bien vérifier dans la table matérielle qui liste l'ensemble de mes matériels. Le dernier, c'est bien le nettoyeur haute pression, il n'y a plus d'enregistrement. Je rappelle que dans les tables, la petite étoile l'a dit que je peux rajouter un enregistrement à cet endroit-là, mais on n'ajoute jamais d'informations dans les tables. Voilà donc pour la création d'un bouton de suppression d'enregistrement. Vous voyez, c'est très simple. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis surtout, pensez à vous abonner à la chaîne.